Bonjour à tous, c'est Oracle 90, on se retrouve pour la suite de Pokémon Révolution Online. Là on est à la Ligue Pokémon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt même très bien. Et donc là je me suis acheté pas mal de trucs. Hein. Donc je me suis acheté 35 hyper potions, 28 rappels et 5 guérisons, 4... 4 totations, je crois que je vais peut-être en acheter d'autres de totations, on sait jamais. Allez hop, on va parler à cette dame. Oh bah ça va, j'ai largement assez. Non, on va peut-être en acheter que deux. Hop. Voilà, maintenant je suis ruiné. Bon, pour histoire, en fait j'avais déjà essayé de me faire la Ligue Pokémon, hein, tous mes Pokémon au niveau 70 et ça n'a pas suffi hein, parce qu'il me restait encore le dernier conseil des quatre, hein, c'était Peter. Alors Peter il m'a vraiment choqué parce que en fait je m'attendais pas qu'il y ait un Pokémon tel que Tyranocif, parce que dans la version rouge et bleu, enfin bref, il avait pas Tyranocif, il avait deux Draco, un Terrain, un Léviator et un Dracolos. Non, je crois qu'il avait trois Draco, il me semble. Enfin bref, du coup ils ont remplacé un Draco par un Tyranocif. Alors j'étais un petit peu surpris hein, quand même. Il m'a dérouillé avec son Tyranocif. Mais bon, hein, du coup quand j'étais mort et que je voulais refaire la Ligue Pokémon, je pouvais pas. Je devais attendre un petit peu, hein, c'est-à-dire le lendemain. Bref, comme je me suis fait niquer, mais bien comme il faut, du coup j'ai entraîné mes Pokémon. Alors, je vous présente mon Mantle qui est au niveau 71, il est passé au niveau 74. Léviator, Raichu et Dracaufeu sont tous au niveau 78. J'ai vraiment boosté leurs entraînements et tout. Raphaël toujours au niveau 70 et Nidoqueen aussi au niveau 68. Bon, j'ai préféré pas trop chercher, enfin pas trop les entraîner jusqu'au 80 parce que sinon nous 81 c'est déjà long et de 2 bah ce serait quand même trop cheaté d'avoir des Pokémon 80 qui niquent tout le monde, enfin bref, ce serait pas vraiment intéressant. Et du coup quand j'ai perdu la première fois, du coup j'ai perdu pas mal de sous et du coup bah là j'étais obligé de les entraîner, chaque Pokémon que je battais je gagnais quoi 5 Poké dollars et tout. Voilà. Ah oui, j'ai aussi deux trucs à vous dire aussi à propos de la Ligue Pokémon. Les Pokémon que je bats, enfin que j'ai battu, hein, enfin que j'ai battu la première fois, j'ai monté 0 XP, 0. Que dalle, j'étais vraiment très très énervé parce qu'en fait je comptais là-dessus pour monter un petit peu les niveaux de mes Pokémon. Enfin bref, ça m'a vraiment saoulé quand je me suis aperçu de ça. Et deuxio, je gagne 0 Poké Dollar. C'est-à-dire que chaque fois que je battais un petit conseil des 4, je gagnais 0 Poké Dollar. Alors là j'étais vraiment trop énervé. Donc là on va se faire la conseil des 4. Elle s'appelle Lorelei, je crois que, enfin je me rappelle plus de son vrai nom, en fait, enfin pas de son vrai nom mais son nom en version française, je sais pas, ça me dit quelque chose mais je sais pas. Donc une lamantine, allez, tonnerre. Bon, la première fois que je l'ai fait, je l'ai enlevé trois quarts de sa vie, hop. Aïe, que dalle, bref. Allez. Regardez, rien du tout. On a même pas gagné du XP. Ah bah tiens, un petit peu. Bizarre, ça m'a pas fait ça la dernière fois. La première fois plutôt. Aïe, fils de chien. Alors là, je vais vraiment le faire. J'espère l'avoir du premier coup, mais j'y crois pas trop. Pokémon de 10 classes, c'est un petit peu dur.
Bon alors. Allez, l'élévateur. Et on va faire morse mâchouille. Allez, bien sûr, ça aussi, ça me fait mal. En revanche, je vais un petit peu augmenter ses stats. Allez. Et je vais faire morse mâchouille. Bon, du premier coup, c'est plutôt bien. Donc Krust Sabri. Ah si je me suis envie en plus il m'a fait chier en plus. C'est pas grave. Allez. Et encore. Du coup là va me tuer. Elle surf. Allez, Dracofeu. Fais-moi un beau lance-flamme. Ah, bah si, en fait, j'ai gagné des sous. Ah, c'est peut-être à cause de la mise à jour, je sais pas. Parce que, en fait, j'étais hyper énervé la première fois, mais bon. Je crois qu'ils ont arrangé la chose. Enfin, bref. Hop, encore notre revive. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une des hyper potions pour Échou et l'autre pour Léviator. Voilà. Donc, j'étais un petit peu surpris quand même qu'il m'ait filé de l'XP et plus de l'argent. Donc, là, il va m'envoyer Bruno. Bruno va m'envoyer un Onyx. Donc là, je vais envoyer Rafflesia en premier. Hop. Bruno. On va faire bah celui-là. Ouais, bon, on l'a vu du premier coup, Ender. Allez, je vais envoyer mon Dracofeu. Que dalle. Ah. La vache, je l'ai bien tenu en plus. Aïe, 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 aïe. Alors là, lui, il m'a fait plutôt mal. Allez, rien à foutre. Donc, un Macogneur. Le Macogneur, j'ai craint un peu, hein, quand même. Même si j'ai l'avantage. Aïe, voilà, hop, il m'a niqué. Parfait. Allez, Mentali. Donc, j'espère commencer en premier parce que. Là, ou sinon, ça va vraiment douiller. Voilà, hop, dans ta gueule. Un Onyx, ok. J'ai pas envie de perdre trop d'XP, alors je vais envoyer Rafflesia. Bah oui, je suis obligé quand même. Hein. Même si j'ai 35 hyper potions, je voulais pas non plus en gâcher pour rien alors que j'ai les moyens. Enfin, que j'ai la possibilité de changer, quoi. Ah putain, on a quand même niqué. Bon. Bon, moi c'était au moins c'est un petit peu plus rapide que la première fois. La première fois ça a été un petit peu dur, donc vous avouez. Hop. Hyper potion pour toi et un autre pour Mentali. Hop. Pour Rafflesia, je crains pas trop. Donc ça va être Agatha hein, la prochaine. Enfin, le prochain conseil des 4. Alors, elle va m'envoyer un électroplasma qui a aussi Fatal Foudre. Je me souviens bien parce que j'avais envoyé mon Léviator parce que je voulais utiliser à chaque fois Draco, Danse Draco.
pour augmenter un petit peu ses stats, attaque physique et vitesse. Mais m'a surpris en utilisant Fatal Foudre, enfin bref. Donc là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Parce qu'elle me fait vraiment peur. Parce que elle a un méga électropassement. Ça me fout la chair de poule, ça. Hop. Allez, encore. Ah merde, on est mort. Du coup, Mentali. Elle dirait psycho. Allez. Putain, elle a pas résisté. Oh le con. Allez, Pikachu, Raichu plutôt. Tonnerre. C'est bon, on l'a eu. Donc avec lui, on m'a changé Pokémon tout de suite. Là, sans hésiter, on va faire danse Draco. Et là, je vais utiliser une hyper potion. Parce que je n'ai pas envie qu'il me le crève. Parce que c'est ma botte secrète, hein, mon Levator. Allez, danse Draco encore. Une hyper potion. Fumier, allez encore. Ah, là il est devenu confus. Je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est celui-là. C'est le B anti-confusion en fait. Pas grave, allez encore. Okay, on peut pas monter plus haut, c'est pas grave. En revanche, je vais reprendre encore une autre hyper potion. Parce que les surprises, j'en ai pas mal, hein, putain, depuis ce jeu. Hop. Allez. Celui-là, parfait. Et on n'a rien gagné. Hop, parfait. Arbok, parfait. Ah, nickel. Ah, celui-là, c'est bon. Allez. Le Pokémon que je redoute. Chez Agatha, la méga électroplasma. J'espère que ça va suffire. Ça suffit! Et j'ai gagné 0, hein, vous l'avez vu. Hein. Donc, il me faut un revive pour lui. Et pour Mentali aussi. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Hein. Maintenant, c'est avec Peter. Encore un autre pour Léviator. Hop. Du coup, Léviator va passer en premier. Ah putain, il avait ça aussi comme attaque. J'ai pas un antipara. C'est pour les brûlures. Elle danse Draco encore. Pour les danses Draco, j'irai au maximum. Hein. Parce que là, il est hors de question que je prenne encore une autre. Un autre coup dur. Poisoning. CPP, putain.
en danse draco. Jusqu'à que j'en peux plus. En revanche, là, elle va commencer à me faire mal. Et donc là, j'ai mon maximum. Parfait. Hop. Oh putain. Ah lui c'est le pire. Yes. Mon drac au feu. Les mâchouilles. Oh non. Oula, c'est bon. Oh, dans ta face, Peter, enculé! Ah, putain. Maintenant, le plus dur, ça va être Régis. Régis, lui, je le crains, mais vraiment. Attends, je crois que j'ai un truc pour augmenter un petit peu l'XP. Ok, parfait. Elle est augmentée de 10. C'est cool. Attendez, je vais faire une petite ellipse. Excusez-moi. Ok les gens, donc j'ai un petit peu regardé quels sont quels étaient les Pokémon de Régis, enfin de Blue. Donc je pense que ça va le faire. Je pense. Hop, je suis toujours en train de record. Parfait. Ah, il s'appelle Gary. Donc gros carnage, ça tombe bien. Allez. Ouragan, aïe. Donc ça, je m'attendais pas du tout à ça. Donc Riken, je savais pas du tout que ça pouvait me rendre confus direct. Ok, encore. Ok, donc là ça commence à me faire mal. Super potion sur l'élévateur. Ah, parfait.
Parfait, nickel. Bon, Kazam est tombé. Putain. C'est pas trop grave. Hop, ça, on peut se le faire. Parfait. Oui! Oh putain! Non! Non! Bah les revives. Oh putain. Putain, j'avais cru que c'était il allait résister, mais bon, c'est pas trop grave. Une autre hyper potion pour lui. Hyper tort, méga tortant. Ok, donc ça c'est normal. Je l'avais prédit. Un méga tortant, tu n'avais pas un Florizarre, il me semble. Je vais utiliser toxique. Aïe. Oh putain. Eh les gars, je tremble, vous voyez pas mes doigts, mes mains commencent à trembler, putain. Donc là, il y a une putain d'erreur hein, pour concernant le Mega Turtwig, parce que je pensais qu'il aurait une attaque bizarre ou laser glace, mais tant mieux pour nous, hein, mais bon, allez hop, encore poison. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, mon plus beau, Dracaufeu. Donc, Dracaufeu, lui, t'attends beaucoup de lui. Hein. Ah merde, j'ai pris un coup. Ah ouais, quand même, c'était pas un petit coup. Hein. Dans ta chatte! Dans ta chatte! Excusez-moi. Oh! Oh punaise! Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir à ce que je dois faire tout à l'heure. On a une conclusion. Ah, donc on peut bouger. Donc là, j'ai rien. Non. On va pas soigner mes Pokémon, donc là, ça sert à rien. Je vais quand même envoyer Dracaufeu en premier parce que c'était quand même mon premier Pokémon. Hein. Mon chien Dracaufeu. Mouah. Voilà quoi. Pardon? J'ai pas trop compris là, tu m'expliques un peu? Ok, donc là elle m'a ressuscité tous mes Pokémon. Alors là je suis un petit peu... un petit peu... On va dire... pas très bien parce que je devais... Enfin... Ouais, mais qu'est-ce que je raconte aussi? Parce que moi, je pensais qu'on allait faire genre... vous savez, on doit aller dans une salle et on doit aller au podium, vous savez, où on doit présenter tous nos Pokémon et féliciter tous ceux que... tous mes Pokémon et tout. Donc là, je suis un petit peu... Ah ouais, donc là, on va aller à la région de Johto. Attends, est-ce qu'on peut... Je me demandais si on peut piquer un Pokémon ici. Non, on peut pas l'avoir. C'est pas trop grave. Bon, ça a été quand même un petit peu tendu parce que au début j'étais mort à cause. Enfin, j'étais disqualifié à cause de Peter. Tout à l'heure c'était celui d'Agatha. Parce que j'ai un petit peu sous-estimé. Surestimé mon Léviator.
Enfin bref, c'était un truc, mais un truc que j'ai pu refaire tout à l'heure. Ah, fouinette. Attends, je vais aussi m'acheter des Pokéballs. Mon chien qui aboie parce que mes parents sont rentrés, c'est génial. Bon, bah ça a été plutôt sympa comme let's play, hein. C'est pas fini, hein, rassurez-vous. Mais la région Kanto, je l'ai trouvé plutôt bien réussi. À part, j'étais un petit peu surpris que on n'ait pas eu tous les CS. Donc je fais référence à quoi? À force ou à vol. Parce que voilà, ça m'aurait quand même un petit peu aidé pour Dracaufeu. Parce que Dracaufeu avoir Cruaigle, c'est pas top, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. On a battu la Pokémon, donc c'est bon, on n'en parle plus. Mais bon, ça. Et puis, on n'a pas eu Cascade. Cascade, j'aime pas trop ce genre de CS parce que c'est une CS qui. En combat, ne sert pas trop, hein, je pense. C'est mon opinion à moi. Le meilleur, c'était Surf. Mais bon, ça dépendait aussi des stats des Pokémon en fait. Donc là, l'évaluateur était plutôt physique, donc surf ça va pas servir à grand chose. Mais avec surf, on peut utiliser, on peut aller un petit peu partout sur l'eau. Ouais. Après flash, ça, je déteste un hein, flash, ça sert à rien. Tu me laisses passer, s'il te plaît? Ok, merci. Un dresseur, lui aussi. Ok. Donc cadre bas au niveau 30. Mon Dracaufeu au niveau 79. Donc ça va bien se passer. Ah, Farampe. Lui, je le veux dans mon équipe, celui du Johto. Parce que Farampe, il est plutôt pas mal. Hein. Après, j'ai eu. Avoir aussi un Voctali. Tiens, Voctali. Donc Voctali, c'est un Pokémon de type électrique et il faut avoir aussi une pierre faute pour faire évoluer en Voctali. Voctali, c'est un Pokémon plutôt rapide si je me souviens bien. Il a des attaques plutôt correctes. Mais je veux pas de Pyroli. Hein. Ça, c'est sûr, Pyroli, pue la merde. J'avais un Pyroli dans la version Y, il me semble, et j'étais quand même déçu au niveau de ses stats, hein, quand même. Ouais, j'étais quand même déçu par Pyroli. Aquali, ouais. Ouais, Aquali, peut-être. Aquali, honnêtement, Aquali, c'est pas du tout dégueu comme Pokémon. Il est plutôt intéressant. Surtout avec son attaque acide à armure, il me semble. Qui fait monter sa défense, mais en flèche. Non, 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 non. On verra bien, on verra bien. Je suis pas pressé. Chaque chose a son temps. D'abord là, je dois aller à Johto. Enfin, là on est à Johto plutôt. Mais je voudrais quand même arriver à la ville. Après, on va terminer cet épisode. Donc cet épisode, enfin ouais, cet épisode clôture la région Kanto. Je pense qu'on va aller, on va y aller. Attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Non. Parce que ici, avant dans la version Game Boy console, en fait ici, cette maison peut nous permettait de soigner nos Pokémon. Donc Anna, hop. Après je vais aller dans cette maison, on verra bien. Donc Anna.
Bon, après, j'espère que les développeurs vont faire la partie Kalos. Ça serait quand même intéressant d'avoir une méga évolution. Hein. On a déjà vu Sacha, Red et Régis qu'ils avaient des Pokémon méga évolués. Donc, alors là, je vais changer Poké. Hop, on va mettre. Non. Donc, Rattata, non merci. Un doublon ville, on peut avoir aussi un Evoli. Un Marest. Oh non. Non merci. Donc, Marest. Pokémon du type. Enfin. Eau et sol. Plutôt sympa. Mais si je me tombe face à un Pokémon de type plante, là je me fais niquer mais royalement. Donc. Alors. Allez, rien à craindre. J'ai morsure. Bon, morsure, faudrait que je l'enlève. Et que je le remplace par. Bah, l'ombre, ce serait beaucoup plus intéressant hein, vu que c'est un Pokémon du type spécial. Ça serait quand même intéressant quoi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Bon, rien ici, y a rien. Allez, on va faire surf ici. Donc, mon élévateur nous a quand même bien sauvé la vie. Hein. Ah, d'accord. Ok, en fait là les ponts on peut pas y accéder. Donc ça c'est plutôt con je trouve. Mais bon c'est pas trop grave, on va redescendre puis remonter. J'ai envie de faire quand même tous les dresseurs. Hop. En plus on n'a pas le vélo. On n'a pas de vélo. Alors que dans les autres versions, versions console, c'était gratuit quoi. Il nous fallait juste un coupon dans la région de Johto, enfin de Kanto. Dans la région de Johto, en fait, il nous fallait juste faire un petit peu de pub pour le gérant du magasin de vélo. Après avoir fait une putain de pub, il nous filait à gratos le vélo. Donc ça m'a un petit peu quand même choqué quand même. Hein. Le vélo à 75 balles, merci quoi. Ça coûte un bras votre truc. Hein. C'est pas un vélo en or, j'espère. Bon, ça aussi, ça va être facile. Bah, de toute façon, j'ai le type avantageux. Lui aussi, il va morfler. Hop. Après, enfin, je pourrais peut-être aussi avoir un Noctali, mais un Noctali, je l'aime pas trop. C'est plutôt un Pokémon du type défensif, hein. Plutôt bien costaud. Oh putain, c'est un siphon ça. Ouais, ça ressemble plutôt à siphon. En fait, siphon c'est une CS. On dit un CS ou une CS? Non, une CS capacité secrète. Enfin bref. Une CS qu'on trouve ici en fait. Dans la version or. En fait, il y a des siphons en utilisant la CS siphon. Ça permettait d'enlever le siphon. Et comme ça, on peut passer. Donc là, c'est pas trop grave si on l'a pas. On va pas non plus. Va pas non. On va pas non plus chercher la merde, quoi. C'est pas grave. Après, comme Pokémon Feu, je voudrais quand même avoir soit un Goupix ou un Caninos. Oh! C'est bien ce que je crois. C'est un Caninus. C'est. Oh putain. Non. Ah oui, en plus, vous allez voir un truc vraiment génial au prochain épisode. Putain, si on est coincé, on est coincé.
Putain, toi tu me fais chier quand t'as coupé de... Désolé, je pète un petit peu les câbles, non? Je suis en train de redescendre. On a battu la ligue. Avec la fleur, merci, au revoir. Puis il y a un oxy ici. Attends, c'est quoi cette baraque? Ah, c'est qui cette dame? Donc ça, c'était pas très malin d'avoir mis un arbre ici. Ok, donc là, elle a soigné le Pokémon, si j'ai bien compris. Ah bah, c'est tant mieux, c'est plutôt sympa. C'est quoi cette grotte? Bon, moi j'aimerais aussi être dans cette région avoir aussi un score plan, mais ça va pas nous servir à grand chose parce que en fait pour avoir un score vol on a besoin d'un score plan certes, mais aussi d'un croc rasoir, il me semble que ça s'appelle comme ça, et ça on le trouve pas dans cette région, je crois pas. Peut-être un Dauphin plutôt, ce serait cool d'en avoir un. Quoi? Bon, j'ai cru entendre quelque chose. Un Charles. Ok, on va se faire Charles. Oh! Il est passé à travers, c'est quoi ce délire? What the fuck? Là, on se fait encore enculer, quoi. Donc ça m'énerve un petit peu, hop. Voilà, parfait. Ouais, ok, donc niveau 40, ça va être plutôt facile. Surtout que j'ai l'avantage du type. Hop, merci, au revoir. Ok les gens, on va s'arrêter là. Bon, merci de m'avoir suivi hein, dans cette aventure à Kanto. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Hein. Moi, j'ai... Attention, est montée à 500. C'était quand même un petit peu ouf. Hein. Mes mains continuent encore à trempler, pardon. Là, j'arrive plus à parler. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la suite. Pour moi, ce sera maintenant. Je vais tourner cet épisode à la suite pour que j'ai d'autres vidéos. Comme ça, je vais poster un petit peu plus régulièrement. Pour ce Tom Clancy Division, j'ai encore deux épisodes à l'avance. Et Star Wars The Fallen Empire, il me reste encore une bonne... on va dire un petit peu moins d'une dizaine de vidéos. Alors là, je me concentre vraiment sur Pokémon. Ça fait longtemps que je n'ai pas diffusé. Je suis désolé, mais entre... l'entraînement de mes Pokémon jusqu'au niveau 75 et tout, ça prend quand même un petit peu de temps hein, et vu que je sais pas vraiment pardon, vu que je n'ai pas beaucoup de temps à cause de mon taf et de tout, enfin bref, allez ciao.